Le premier concours régional des chefs s'est tenu à Agadir les 11 et 12 février. Une première confrontation de l'imagination et du talent pour ces virtuoses du piano. Mohamed Benani, président délégué de l'Association marocaine de la gastronomie, a l'ambition de pouvoir organiser bientôt un concours national. Aujourd'hui, nous organisons avec des partenaires un concours professionnel de chef de cuisine. La nouveauté aujourd'hui, c'est que pour la première fois, s'organise au Maroc un concours qui réunit seulement des chefs de cuisine confirmés et notoires. Le concours est régional, mais nous espérons que ce sera pour nous un début pour commencer à l'élargir un peu à toutes les régions pour en fin de compte faire un concours organisé toujours par l'Association des cuisiniers du Maroc, mais un concours national. On pourra avoir des lauréats qui peuvent à leur tour participer au concours au niveau international. Cette confrontation des chefs ne peut que contribuer à mieux promouvoir la gastronomie marocaine. Puisqu'il y a une multitude de nationalités donc, qui transitent par la ville d'Agadir, nous voulons absolument que le produit, que la cuisine marocaine soit aussi mise en relief. Et on ne va pas venir au Maroc pour juste prendre un filet, mais on va venir au Maroc pour découvrir la pastilla, pour découvrir le fameux tagine de poulet aux olives et au citron confit. Donc ici, c'est une zone quand même qui est loin de la pollution. Les produits sont très sains. Et le poisson, il est là dans les étalages et puis on peut faire beaucoup de choses. La société Somafaco, spécialisée dans l'industrie alimentaire, a apporté son soutien en tant que partenaire à ce premier trophée des chefs. Nos objectifs à travers cet événement, bien sûr, c'est de solidifier en quelque sorte la position avant-gardiste et privilégiée de la gastronomie marocaine et puis qui est assez reconnue est connu pour ses mélanges subtils. Alors le deuxième objectif, et qui est aussi important que le premier, c'est d'honorer la créativité des chefs cuisiniers au Maroc, et puis de reconnaître leur talent, et puis tout ce qu'ils peuvent et tout ce qu'ils apportent à la gastronomie marocaine, qui est à la fois riche et fine, et puis à la fois authentique et ouverte à l'international. En tant qu'opérateur dans les produits aides à la cuisine, on se positionne, si vous voulez, comme relais hein, vers le palais des gourmets, d'accord, comme relais du travail des chefs cuisiniers vers un consommateur toujours demandeur de nouveautés et puis de véritables recettes de chefs. Ces chefs cuisiniers, ainsi que leur créativité, sera toujours le vecteur un peu de la gastronomie marocaine pour la continuité de sa renommée au niveau international. Les chefs sont venus tour à tour présenter leur création au jury. Et le chef des chefs est bien surprise. C'est une femme, Olaya El Abti, du Tikida Golf. À croire qu'elle est tombée dans la marmite quand elle était petite. Ce concours est un petit moment de plaisir pour moi. Et voilà, je voulais un peu découvrir le premier événement de ce genre au Maroc. Et voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Dès que j'ai pris connaissance du concours, j'ai imaginé les plats qui pourraient être faits à base des produits qu'on nous a fournis. Et voilà, et on s'est un petit peu entraîné hier soir. Et voilà, on a tout est totalement improvisé et créé pour le concours. C'est une passion. J'ai beaucoup d'amour pour la cuisine. Et puis c'est une histoire d'enfance, de souvenirs de ma maman qui cuisinait. Et voilà, et la cuisine, c'était pour moi un avenir certain, quoi, voilà.